Là, ça devrait aller. Interface, gna gna gna. Allez, on va laisser ça comme ça. Et bonjour à tous, on se retrouve pour Master of Orion, un 4K stratégie. On va voir. On va voir ce que ça donne. À ce qui paraît, c'est un ancien jeu qui a été remis au goût du jour. Donc, une sorte de remaster. En bref, on va voir ce que ça donne. Je suis tout ému, tout content. En plus, la science-fiction, c'est tout ce que je kiffe dans la vie. Alors, solo. Yeah. Alors, solo. Affronter les adversaires contrôlés par l'ordinateur. Ouais. On va faire une nouvelle partie rapide. Oh! Hailing from the cloudy planet Altair, the proud Alkari are an old race of avian hominids. Ok. Although well known for their sacré classe, quoi, en tout cas. Pas mal. Pas mal du tout. Combat. Alors, on a les Alkari, donc ils sont issus des contrées aériennes de la planète, blablabla. Alors attends, par contre, avant de faire quelque chose, je vais aller dans les options, parce que je sens que le narrateur va me gonfler. Est-ce qu'on pourra avoir un narrateur en français, s'il vous plaît? Est-ce que c'est possible? Je crois que ça ne va pas être possible. Ah, ben voilà, langue des doublages. Ah ben non. J'étais tout content de moi, je me suis dit, ouais, chouette, quoi. Alors attends, du coup, on peut pas les désactiver. Ça serait peut-être cool. Langue français, ta, voir cinématique intro, fichier sous-titres, bien sûr rapide, langue des sous-titres français. Ouais, bon, on peut pas, c'est pas grave. Allez, on va pas se plaindre à chaque fois qu'il y a un truc qui nous plaît pas. Donc, nouvelle partie, on avait dit, et donc on était sur les Alkari, donc céleste. Alors, issus des contrées aériennes de la planète Altair, les fiers Alkari sont une race ancienne du manoir navire, règne sans partage sur une nichée, commandant de la facto. Alors, mouais. Ok. Alors. Oh, oh. Il est aussi barbu que moi, quoi. Yes. Committed to the preservation of nature, fearless and brutal in combat, they rely. Ok. Oh, je kiffe. Je kiffe. Polymorphe. Oh, ça c'est bon, ça. Discret, diplomate. Ça c'est tout ce que j'aime, ça. C'est tout ce que j'aime. Nor can be trusted. Ah ouais, la confiance étant chez eux est une monnaie rare, tu m'étonnes. S'ils se transforment tout le temps pour tout le monde. Ok, les humains, je veux pas savoir. Les clacons. Ouais. Nourriture de la population plus 50, fastidieux. Souterrain. Ah, ok, et industrialiste. Ouais, c'est les capitalistes de base, quoi. Alors, les mecs clairs. Cybernétique. Et ouais, du coup, pas besoin d'avoir de la nourriture, ça c'est clair. Ok, donc je fais vraiment un tour d'horizon, hein. Oh mon dieu, les chats! Les chats! Eux, ils sont classe aussi. Militaristes. Habitants des plaines. Un culte au soleil. Pray the sun! Guerrier. Et diplomate, négociation améliorée. Okay. D'accord, donc c'est des chats qui habitent dans les savanes. Ils se voient comme des prédateurs ultimes. Predator! Oh, des petits gris. Ça sent la race cheatée, ça. Créatif. Dans le crâne qu'il a. Sécurité moins 20, moins bonne qu'un normal. Caractère original. The Cylon are a peaceful race and only keep fleets of okay. Highly ooh. Primal in their ways. The cold-blooded Sakura from répugnant. The planet Sloth seem uncouth. Ah non, ça c'est clairement pas la race qu'il me faut, quoi. Non. Oh,
Énorme ça. Comment tu peux espérer communiquer avec ça quoi? Inhalateur de lave. Chaud. Tolérant. Taille du monde d'origine. Énorme. Alors les Terranes. Oh, ils sont classe. D'accord, ok. Alors télépathe, ça c'est pas mal, non? Contrôle mental, diplomatie. Putain, ça, ça peut être bien pour faire changer d'avis les gens, quoi. Les Gnolames. Oh putain, ils ressemblent à rien, ils sont trop beaux. Et les... Oh! Putain, je kiffe. Je kiffe son beau. Aquatique transdimensionnel. Ça, c'est bon, ça, pas mal. Et aquatique. Fashioned around folktales and cryptic mythology, whose darker undertones clash with their generally friendly disposition towards other races. They are willing to coexist with other races. Ah putain, alors je suis j'hésite entre les Trilariens et les Darlocs. Je pense que je vais prendre les Darlocs. The Darlocs of Nazim both crave and despise identity. Their shape-shifting nature puts them at odds with themselves. Je pense que je vais prendre ça. Ça, parce que bon, après les autres, je m'en fous un peu. Il y a peut-être les Terranes qui m'intéressent, mais bon. Et après, sur mesure, c'est. Voilà, c'est comme ça. Je pense que je vais tester eux. Je vais prendre les Darlocs. Allez. Go. Go, Darlocs. Alors, du coup, attends, j'ai même pas eu le temps de le lire exactement. Donc, tac. Insaisissable et paranoïaque, les Darlocs de Nazim rêvent d'identité. Autant qu'ils haïssent le concept. Ok. Bricoleur par nature. Puts them at odds with themselves as often as with other races. Ça c'est pas mal ça, pas mal. Ils préfèrent se servir des autres et après porter le coup fatal quoi. C'est vraiment des putains. C'est vraiment de gros enculés quoi. Allez je prends quoi. Tout ce que j'aime dans la vie quoi. Alors ordinateur aléatoire. Ok. Type de galaxie, disque, ouais. Âge de la galaxie moyenne, densité, âge de départ. Post-distorsion. Niveau de difficulté, on va mettre facile. On va se calmer. Voilà. Allure du jeu classique. Grain de Montbang, ok. C'est parti. Allez, allons découvrir Master of Orion. J'en avais entendu parler, quoi. Mais après, en général, les 4K et 4X, là, je... C'est voilà, c'est compliqué. Pourquoi je dis 4K en plus, putain? C'est l'effet E3, ça. Allez, go. Au plus profond des marées de Nazim, la cabale s'agite. Ces polymorphes, aussi secrets que paranoïaques, vivent une lutte sans fin pour leur identité. Éprouvant que méprise et rancœur pour l'immuable similarité des autres. C'est ce dilemme existentiel qui pousse à présent la cabale à s'élancer vers d'autres mondes. Alors, est-ce que mes vaisseaux ont la classe? Espérant trouver un rudiment d'identité sous les traits de chacune des races qui ne pourront jamais être. Pas mal. Petite musique science-fiction derrière. Avec les petites flûtes là. Ça me rappelle Stargate. Oh. I'll be the eyes on the back of your head, the voice at your ear. Ok. Alors déjà, bon, ça va, c'est facile à manier. C'est pas bien compliqué. Ok. Je peux dézoomer. Ouh, chouette. Bon, on va suivre le tuto. Hein, on va pas se prendre la tête. Donc ça, c'est un vaisseau à moi. D'accord. En général, dans les 4X, il faut tout lire. Tout, quoi. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais tout lire. Alors, Nazim. Alors, comment je fais? Donc, clic droit. Clic gauche. Non, c'est pas ça. Nazim 2. Ok. Ou Nazim 2.
Ok, donc je fais ça. Et après, je fais quoi? Elle m'a dit quoi? Ah, répète. Ça marche pas? Ça, ça marche, ça, ça marche. Ah, mais je dois... En fait, je dois déjà y être sur Nazine. Je dois déjà y être. Donc, attends, et elle m'a dit quoi en plus? Chemin de la victoire, etc, etc, etc. Ah, où est le tuto? Où est le tutoriel? Plan, officier, espionnage, diplomatie, recherche, empire. Optio, c'est pas ça. Bon, on va prendre ça, on va se déplacer là. Piou! Ah, j'ai plus de... Pourquoi il va pas se déplacer? Choisir une production. Ouais, pour l'instant, on va attendre. D'accord, donc là, maintenant, je choisis nos recherches. Putain, elle est bonne. Alors, économie, non. Exploration ultraspatiale, enchaîne, on débloquerait. Transport civil basse coloniale, service trésorerie. Centre d'espionnage, usine automatisée, ok, ferme, destroyer, roquette anti-missile. Pour l'instant, on va prendre ça, transport civil et base coloniale. Ok. Terminé, choisir une production, donc là-dessus. Et on va choisir de produire... laboratoire de recherche, ça fait quoi? La forme d'un environnement de recherche permanent qui augmente les points de recherche générés par tour. Ça, je pense que ça peut être pas mal. Et on va mettre terminé. Cliquez sur tour suivant. Ok, tour suivant. Donc là, c'est les autres races qui sont en train de jouer, comme d'hab. Jusque-là, tout va bien. Bon, après, un 4X, ça c'est pas fait pour être spectaculaire à voir. Hein. Sauf peut-être dans les combats, dans les batailles spatiales. Mais au-delà de ça, c'est surtout... C'est bon, je peux jouer? Ok. Bon, mais on va... Ah, alors je peux rajouter des éclaireurs, des trucs comme ça. Ah! D'accord, donc ça c'est mon vaisseau colonial, ça c'est mes éclaireurs, etc, etc. D'accord, donc j'ai tout ça à l'intérieur de ma flotte. Voilà, c'est, je viens de comprendre. Je viens de comprendre ce que j'ai dans ma flotte. Ok, ok. Donc, terminé. Mon empire, il est là. Mes recherches sont là. Ma diplomatie, elle est là. J'ai rencontré personne. L'espionnage, pour l'instant, j'ai rien. Officier, j'ai rien. Plan, c'est le plan de vaisseau. Planète, ça, c'est la mienne. Et ma flotte. Stationner, garder. Ah, je peux la mettre en auto-explorer. Allez, c'est parti. Pourquoi il m'a changé toute la... Ah, il m'a fait de la merde là. Il est parti sur tout ça. Quoi, il m'a séparé tout le groupe. Il m'a vraiment fait de la merde là. Non, je veux pas les recycler. Je veux les. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre ça, comme ça tout le monde va partir dans tous les sens. Ouais, je vais essayer de les réunir toutes sur la même. Au moins comme ça. Tac. Voilà, parfait. Trois tours pour ça. Oh, il me faut la technologie.
Putain, c'est long. Hein. C'est long du coup, comme ça. Putain, t'imagines? Ah, peut-être on va découvrir une nouvelle planète. Ah, l'un de vos vaisseaux coloniaux était une planète hostile. Ah. Pourquoi une planète hostile? Y'a quoi dessus? Population maximale 4. Empêche la planète irradiée d'avoir une atmosphère. Ok. On va la coloniser, hein. On va pas se gêner, quoi. On va pas se gêner. Oh, classe. Y'a rien du tout dessus. Mais c'est classe, c'est à moi. Oh oui, j'ai toujours rêvé d'avoir une planète désertique à moi, quoi. C'est mon rêve ultime, ça. Alors, ok. Oula, famine. Oui. Y a pas un truc... Alors attends, assistance gouvernementale... Augmente le moral de la colonie, pardon. Alors nourriture, ça serait peut-être le mieux, non? J'ai rien. Ah. Commerce de machin. Alors on va mettre laboratoire de recherche. Base stellaire. Point de commandement, réparation auto. Ouais non, j'ai plus besoin d'un truc pour la nourriture là, parce que sinon ça va pas aller. Et on va faire ça. Généré par la population. Ah, je peux pas le mettre dessus. Alors, la nourriture provient de la population assignée aux cellules de nourriture aux bâtiments spéciaux des avancées. Attends. Bâtiments spéciaux des avancées. Je crois que j'en ai pas. Peut-être ça, non? À la place. Ça serait mieux. Mettre en priorité recherche. Non, là, en production, allez. Hop, terminé. Alors, l'un de vos vaisseaux coloniaux a été une planète hostile. Donc ça, on l'a vu. Continuons à explorer. On va... Alors là, on est là. On va venir ici. Alors, choisir une production pour eux. Donc, ils ont dû la terminer. C'est cool. On va faire un vaisseau colonial. On va en faire 3. Tour suivant. Ben ouais, j'avais bien compris que c'était la mienne en haut, quoi. Mais ouais, forcément que c'est celle-là, quoi. Nourriture moins 1, quoi. Et entre-temps, il faut ce qu'il faut, hein. Je peux pas tout faire. C'est pas possible. Hop. Alors, commerce de marchandises. On va mettre ça. Ça peut être pas mal. Tour suivant. Allez, ah. Putain, ils sont loin à se déplacer. Hein. Il va falloir que je fasse quelque chose pour ça. Hein. Il va me falloir des technologies de ouf, quoi. Piou. Ah merde, j'ai sauté un tuto. Non. J'ai sauté un tuto. Alors. Ah, qu'est-ce que c'est, ça? Un signal? Cela m'intrigue. Arriving at the your fleet spots an abandoned container filled with oui, quoi. Parfait, ça. Je peux pas aller directement par là. Système découvert, Shimari. Shimari, Shimala. Étoile rouge. Ok, chaud. Chaud, 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 chaud. Allez, tour suivant. GNN. Oula, qu'est-ce que c'est? Galactic News Network. You are tuned to GNN, the only network that tells excellent, you quoi. What you need to know. Bringing it to you live. Galactic News Network, the galaxy's most reputable news source. D'accord, ok, rien de plus quoi. Je me suis dit, il va y avoir... D'accord, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. One more veil is drawn from the truth hindmost. Alors, recherche terminée, transport civil. Transport civil et base coloniale. Ah, vous savez, on va déployer. Ah oui, nourriture plus 1, ça c'est bon ça.
C'est très très bien, on va mettre biologie là parce que... Transport civil, déplace-la si vous avez besoin de la population. D'accord, ça, ça peut être cool. Ça peut être carrément cool. Ok, alors hop, donc nous on était parti là-dessus. Donc lui il a pas encore... Ah d'accord, en fait ça se termine jamais ça. C'est ça, ça convertit, c'est tout quoi. D'accord, tire automatiquement mon défenseur contre un vaisseau ennemi. Ah oui, ça c'est... Ça c'est intéressant on va dire. Voilà. Piou. Piou. On va aller à celle-là, tiens. Alors, géante, minéraux abondants. Ok, pourquoi pas. Il n'y a rien du tout dessus. On va aller de ce côté-là. On découvre l'espace. Agrandi dans une colonie pour assigner manuellement la population à des tâches. Ok, donc c'est celle-là. Nourriture, ça va, c'est croissant. On va mettre là. Je peux l'acheter. Ah, je peux l'acheter directement, d'accord. Ok. Tac, on va tester. Ouais, au moins comme ça, c'est fini, on l'a direct. Tiens, nouvelle planète. Et ouais, mais pour ça, il me faut des vaisseaux, quoi. Il me faut des vaisseaux et gestion des bâtiments, voire Bastère, Capitole. Ah, d'accord, ils sont là, les trucs. D'accord. Ouais, là, ce qu'il me faut après, c'est des vaisseaux, parce que sinon, je vais pas m'en sortir, je pourrais rien coloniser, quoi. Whispers in the dark. Ouais, bon, ça c'est comme dans tous les jeux. Ok. Ok, ok. Oula, flotte de pirates. Ok, production terminée. One more veil is drawn from the truth hindmost. Ah, super. Physique, centre d'espionnage, économie, on va partir sur ça, hein. Parce que sinon on va passer pour des hein, pour des gens qui foutent rien quoi. Du coup la colonie est morte là, j'ai l'impression. Alors, je t'ai dit il me faut ça fois 3 là, dépêche-toi. 54 tours, oh, c'est abusé quoi. C'est juste abusé. Putain, là il y a tout ce qu'il faut. Tout. Je pense qu'on peut quitter. Ouais non c'est chaud quoi, attends 52 tours pour tout ça quoi, c'est abusé quoi. Salut copyright. Alors, nouvel officier K, cette marine de talent avoué, ta. Mouais, domaine colonie, allez, je recrute. Alors je peux l'assigner à Nazin Chu quoi. Voilà, au moins comme ça, on aura pas de problème. Ouais, ça apporte des bonus, des trucs comme ça, je suppose. Comment tu vas? Bien. Je suis en train de découvrir Master of Orion. Je sais pas si tu le connais. Bon, après, comme tout 4X, ça prend du temps. Donc, c'est pas... C'est long. C'est très long. Très, 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 très long.
Et en plus, t'as tellement de trucs à comprendre que c'est la misère. Alors, putain, t'imagines 49 tours pour construire 3 vaisseaux, quoi. Ouais, putain, comme tu dis chaudement, quoi, je voilà, bouteille d'eau et ventilo derrière à donf, quoi. Sinon, je meurs, quoi. Alors, ouais, en fait, Master of Orion, c'est un jeu de stratégie où tu choisis ta race. Et vu que c'est un 4X, tu as plein de choses à gérer. C'est tout ce qui est donc ton empire, tes différentes colonies, tes planètes, etc. Donc l'ingénierie, la nourriture. Donc c'est vraiment c'est compliqué, quoi. Voilà, et ça c'est ma race. Donc c'est cool. C'est cool, c'est des polymorphes. Et qui sont très discrets, qui se font pas confiance les uns les autres. Et voilà. Je me suis dit ça peut être cool, tu vois. Alors, donc là pour l'instant je peux pas faire grand chose avec ça. Là c'est trop long, c'est trop long. Il me faut juste un vaisseau colonial. Putain, 19 tours. Je vais les faire un par un parce que sinon. Hop. Touding. Yes. Destroyer et les roquettes. Alors, on va choisir une nouvelle technologie. Alors, propulsion à fusion, ça peut être bien. Manipulation moléculaire. Tu vois, il y a vraiment beaucoup de choses, quoi. Usine automatisée. Blaster. Ça, c'était quoi, ça? Améliore la communication avec les autres races. Ouais, ça peut me servir au cas où. On va le faire. Je suis obligé de les déplacer. Je peux pas les mettre en automatique, je pense. Ouais, voilà, passer. Plutôt passer, je vais mettre, parce que sinon... Parce que du coup, sur les autres planètes, je peux rien faire. Sur celle-là, manuel, nourriture, production... je vais mettre équilibré, au moins comme ça, ils se démerdent. Et ils font ça tout seuls. Lui, il fait son business. Hop. Putain, c'est dingue comme il se passe rien. Il faut que j'arrive à coloniser en fait les autres planètes, quoi. C'est ça le but là. Et vu que j'ai plus de vaisseaux colonies. Un 4X, il suffit que tu fasses mal quelque chose. Pour qu'au final tu mettes 100 ans après à avoir ce que tu veux, quoi. T'imagines là 19 tours, quoi. Gestion. 792, j'ai toujours pas assez. Hein. Parce que là, sinon, je l'aurais acheté tant qu'à faire. Au moins, comme ça, on aurait pu aller sur une planète. Ah, les news. The Terran Conade has discovered the remains of a long-lost Orion facility. Whether this was an advanced research facility or a particularly well-built hotel and casino... Ça, c'est excellent, ça, j'aime beaucoup, quoi. Ok. Donc, pendant que tout le monde découvre des ruines, des trucs comme ça, moi, je suis là comme un con à passer mes tours. C'est fantastique, ça. J'aime beaucoup. Oh, c'est dingue, ça avance pas du tout, quoi. Ça, c'est vraiment parce que j'ai raté le coche. Je suis allé sur une planète à la base, je suis allé sur celle-ci, et vu qu'elle était aride et tout, j'ai toute ma colonie qui est morte, quoi. Donc du coup, en plus le jeu m'avait prévenu, il m'avait dit attention. Et on va la faire bouger. Hop. Allez, Nazindo a grandi, chouette. Ça, c'est bon en termes de population. On va le faire aller ici. Ah, Xénorelation, cool. On va pouvoir choisir une nouvelle recherche. Là, ce qu'il me faudrait concrètement, c'est quoi? C'est de l'économie, surtout. Beaucoup de pognon, quoi. Ouais, je vais prendre de l'économie, parce que sinon...
Ouais, mais déjà, avant de construire des trucs d'espionnage, il faudrait peut-être que... que j'ai du pognon et tout ce qui va avec. Ah, nouveau système découvert. Gâteau. Je sais pas si la map est grande. Bon, on fait ça. Ah ouais, d'accord. J'ai déjà... Ouais, non, c'est pas super grand. Hein. Je pense que je vais vite tomber sur, sur d'autres races. Ah, par contre, ça va se gâter, quoi. Ça va se gâter, clairement. On va aller découvrir celle-là, tiens. Ah, pas mal. Planète terrienne. D'accord. Spécificité... Alors, spécialité, pardon, artefact. Ok. On va attendre. Celle-là, elle est pas terrible. Elle est découverte de planètes. Moyenne désertique, gravité. Ah, du quartz noir, ça, ça peut être cool aussi. À voir. Oula, flotte pirate détectée. Pillard pirate. Moi, j'ai combien de vaisseaux? J'ai une frégate, deux éclaireurs. On va essayer d'aller leur casser la gueule, mais j'y crois pas trop. Je pense que je vais me faire défoncer. Ok, usine spatiale, nanana. Ah, enfin un vaisseau colonial. Bon, eux, ils ont tracé. Je pense qu'on va les laisser tranquilles. On va passer par là. Ok, chouette, chouette. Production est la clé du développement d'une colonie. Ok. Ah, d'accord, au fur et à mesure, tu peux choisir. Pas mal, ça. Ça, c'est pas mal du tout. Ouais, d'accord. Usine spatiale permet de construire la défense sur le point, les sous et mines astéroïdes. Tour 19, tour 9. Ça, ça peut être pas mal. Salut, Matt. Comment on va? Alors, je vais faire ça. Ensuite, je pense que je vais faire ça. Je peux pas la démarrer. Pourquoi je peux pas la démarrer? Ça, je peux le faire. Transport civil, usine spatiale, on va la faire aussi après. C'est Master of Orion, mec. C'est 4X. 4X Power, quoi. C'est chaud, quoi. C'est chaud parce que du coup, il faut vraiment tout gérer, quoi. On va faire ça. Et on est parti. J'ai pris une sorte de race qui est polymorphe. Et qui a beaucoup de diplomatie. Tiens, regarde, je vais te montrer. Voilà, ça c'est ma race, c'est les Darlok. Voilà. Tu vois, ils sont très discrets. Ils sont polymorphes. C'est une boost, quoi. Non, c'est pas une boost. Franchement, graphiquement, il est cool. Il y a pas mal de choses à faire. Mais autant faut-il savoir les faire. C'est toujours pareil. Je pense qu'on va aller sur ça là. Ça peut être bien, quoi. Allez. Putain, par contre, il faudrait que j'augmente mon ma vitesse pour les vaisseaux parce que putain, ils mettent 100 ans à arriver là où ils doivent aller, quoi. C'est abusé, quoi. Du coup, il y est allé lui aussi tout seul. Ouais, ça va. Ah, Nazin 2 a grandi, c'est chouette. Secrets from the Cabal hindmost. Allez, hop. Coloniser. Oh, c'est joli, quoi. Ça, c'est beau, ça. Ah, normalement, il devrait y avoir de quoi faire, là. S'ils me disent qu'ils crèvent de faim ici, c'est qu'il y a vraiment un problème, quoi. Ah, ben voilà. On a déjà des fermiers qui sont... au boulot. Ouais, je te rassure, moi aussi, c'est pas trop mon truc. Mais là, c'est, j'ai vu un peu toutes les races qu'il y avait et tout. Je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas essayer, tu vois? Bon, services gouvernementaux, ok. Parquement de mine. On va faire ça. Après, on fera ça. On va faire un laboratoire de recherche aussi.
Ah, mais du coup, on n'a pas de constructeur. Ça, c'est le... Ouais. Ça, c'est le gros problème, en fait. C'est le gros souci, c'est que là, pour l'instant, je vais rien pouvoir faire avec eux. Putain, par contre, sur Nazin 2, c'est... C'est la folie. Tout va bien. Tout va bien, quoi. Non, mais bon, après, voilà, tu... De toute façon, c'est... comment on appelle ça, le 4X, tu sais aussi bien que moi, ça prend... Beaucoup de temps, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas évident, quoi. Là, ça fait depuis combien, 35 minutes que je live. Ah, oh, putain, mec. Je l'autorise parce que franchement, il y a rien de... À chaque fois, tu te fais strike par mon bot, quoi. Tu le réalises, ça. Est-ce que tu le réalises? Putain. Hop. Putain, les frégates. 58. Ok. Allez. Alors lui il est en bas, c'est parfait. Piou. Tiens, nouvelle planète. Bon, elle a pas l'air terrible. Ouais, le bot à chaque fois il te... Mais après très chronophage, je sais pas, il y a des gens qui le trouvent justement vachement abusé, très chronophage effectivement, mais je... Moi je sais pas, après c'est toujours pareil de toute façon. C'est soit c'est ton truc, soit ça l'est pas, quoi. Moi je dois t'avouer que là j'y joue pour le découvrir un peu, quoi. Mais après, je suis pas non plus très enthousiaste, quoi. Voilà. C'est pour être vraiment franc, quoi. En plus à chaque fois il faut choisir les différentes technologies, tu vois. Ah ça peut être bien ça pour se déplacer parce que sinon... Ça va être la merde. Ah, nouvel officier. Recruté pour 12. Putain, salaire 4. Ouf. Ouais, on va le mettre. Je vais l'assigner à Waylon 2. Voilà. Putain, par contre, je sens qu'ils vont me pomper le... Ils vont me pomper l'économie, quoi, mais... Oh! Des gris! Des Asgard! Ok. Donc, pour l'instant, ils sont neutres. Bon, ils sont détendus. Ils sont classe! Alors, le garde Dawn of War, je sais que chaque mission c'est 30 minutes, du coup je joue que de temps à autre. Salut Christopher. Te pomper, cochon. Ben, Dawn of War 3, tu vois, au final, il m'a déçu. Il m'a beaucoup déçu, quoi. Mais je savais pas que tu l'avais. Si tu l'as, ça peut être intéressant pour faire une coop à deux. Oula, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Qu'est-ce qu'il me fait? Donc ça, c'est nos... Voilà, c'est un vaisseau Psylon. On va pas les attaquer, hein, ça serait con. On va se calmer, quoi. Pour l'instant, ouais, y a rien dessus. Ah, putain, Matt, tu fais chier, quoi. Tu fais chier. À chaque fois, je suis obligé de reprendre le bot, quoi. Mais si je fais ça, ça les attaque? Oula, piou! Putain, eux, ils passent d'un truc à un autre. Ok. Bon, là, ils avaient pas de planète, apparemment, pour le moment. Et là, si je fais ça... Ah! Non, non, je peux y aller, toujours. Je peux y aller. Ah, le bot, il t'aime pas. C'est... Je ne cherche pas, il ne t'aime pas, quoi. On va mettre une nouvelle production, on va mettre voilà, vaisseau colonial 3, parce que sinon... Ou alors ça, transport de civils plutôt. On a besoin. Et on va encore faire vaisseau colonial x3. Allez hop. Terminé. Allez, là. Hop. Ah, ça, ça peut me servir. Un destroyer. On va le stationner ici. Ah ouais? Je peux? Alors attends, diplomatie.
Ah, ils sont inquiets. Alors je demande une audience. Oh putain. Comme il me... Comme il me considère comme de la merde. Mon temps est précieux, profane. On va rentrer en négociation. Alors, paiement en crédit, paiement annuel, pacte cartographique. Ben, pourquoi pas. Pourquoi pas une ambassade... Alors, que voulez-vous en échange ? This would be within tolerable parameters. Ah ben voilà, parfait. Partagez vos cartes d'exploration, y compris vos connaissances stellaires et planétaires. Ouais, c'est sympa. Non, couche avec. Non. Arrête, maintenant j'ai de mauvaises pensées, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. On va faire pacte cartographique aussi. There is no acceptable permutation. Ah, bon, il veut pas. Ça, il veut pas. Alors, négociation. Donc, on avait dit accepter l'ambassade. Allez, parfait. Super. Déclaration, pas d'espionnage, pas de colonie près nous. Pas d'espionnage. This disruption has persisted far too long. Ok. Ok, donc... Oh putain, ils m'ont jarté, mais net, quoi. C'est genre, c'est bon, vous m'avez fait chier, on a trop parlé ensemble, casse-toi, quoi. Wouah, putain. Bon, déjà, ça part mal avec eux. Ça part très très mal, quoi. Bon, c'est pas grave, hein, écoute. C'est pas grave. Ah, perturbation électromagnétique. Ouh, c'est quoi, ça? Ah, c'est encore des psylons, quoi. Ok. Avant-poste militaire. Mais ça doit être chez eux, à tous les coups. Vu tout ce qu'il y a dans la zone, quoi. Salut, Mixel. Alors, hop. Alors, est-ce que j'ai le droit de passer? Ah, donc, ils sont... Ils sont là-dedans. Putain, en plus, ils ont construit des avant-postes militaires. Putain, ça rigole pas chez eux. Ça rigole pas du tout, quoi. Bon. Comment on va faire? Là, pour l'instant, on a pas mal exploré déjà. Je pense que je vais mettre mon truc ici. Je peux? Non, je peux pas. Allez! Là, tu peux y aller. Ah, point de saut bloqué. Ça me plaît pas, ça. Cache, on me bloque des sauts, des trucs comme ça. J'apprécie pas trop. Oula! Qu'est-ce qui se passe? Oh! Je me fais attaquer! Quelle bande de pute! Pute, pronostic déplorable. Ben on va faire un... On va faire un combat manuel. Alors, commandement assisté, contrôle total, cinématique. Allez, on va laisser en cinématique, histoire de voir ce que ça donne. Et j'ai la haine. J'ai essayé de discuter avec eux et tout, et au final, je me fais entuber, quoi. Franchement, j'ai les nerfs. Attends que j'installe le Cheat Engine et tu vas voir ton cul, quoi. Alors, en post cinématique, non. On va laisser ça comme ça. Oh, ma frégate, ce qu'elle va prendre. Regarde vraiment en plus ces vaisseaux de merde qu'ils ont, quoi. Alors déjà, je me prends un astéroïde, c'est très bien. J'attaque. Allez, voilà. À moins que ça soit une des leurs qui soit détruite, mais je pense pas, je crois que c'est une des miennes. De toute façon, le rapport de force, il est nul, quoi, mais... Oh, putain. Et regarde comme je fuis, quoi. C'est une honte. Je vais m'en prendre plein la gueule, quoi. C'est juste... Oh là là. Allez, un éclaireur en moins. Deux éclaireurs en moins.
Et ben voilà, j'ai perdu. Wouh! Putain, c'est une honte. C'est une honte. Non, sérieux, je vais utiliser Cheat Engine. Je vais foutre carnage. Putain, la honte, la honte, la honte, quoi. Et ouais, putain, j'ai même pas pu sortir de là, quoi. Cache, ils m'ont détruit. C'est une honte. C'est inacceptable. Ah, putain, ils refusent de me recevoir. Ça va. Ok. Putain. Je vais tout mettre sur le militaire, quoi, maintenant, quoi. Hop, hop. Usine spatiale, frégate. Donc les frégates, petit vaisseau d'attaque peu onéreux. Vaisseau d'escorte de la taille rien, mieux armé, plus résistant qu'une frégate. C'est parti. Hop, 5. Allez. Alors, au moins comme ça. Là, je peux pas acheter. Tu vois, ça, en fait, c'est ça qui manque, c'est des crédits, quoi. T'as vu comme ils m'ont défoncé, c'est abusé, quoi. C'est sérieux, c'est dégueulasse, quoi. Ça marche. À tout à l'heure. Moi plus tard. Ciao. Et ouais, donc là ils peuvent rien faire. Hop, production. Je peux pas les séparer. Non, je peux pas les séparer. Ah. Bon, c'est pas évident, hein. C'est pas évident du tout, du tout, du tout, quoi. Surtout quand on a pas beaucoup de. D'argent, disons-le clairement. On va peut-être augmenter la production comme ça. Ouais. Je pense que ça devrait être mieux. Ah, ça c'est bien ça. Mes vaisseaux, ils vont pouvoir aller plus vite. Ah, je peux augmenter mes frégates. Destroyer. On s'en fout. Enfin, on s'en fout. Quoique les armes, bientôt, il va m'en falloir. Transport militaire, scanner. Ok. Allez, hop. Putain, le pognon que je gaspille, c'est ouf, quoi. C'est, je fais que ça. Pognon, 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 quoi. Production terminée, super. Alors là maintenant il passe à quoi? À l'usine spatiale. Ok. Putain, ça a encore grandi, putain, du coup c'est bien ça. C'est bien, c'est bien. Ah, les infos. Putain, ils ont déjà 3 planètes, les humains, c'est abusé, quoi. D'accord, waouh, sacrée info, quoi. Sacrée information, quand même. Ça veut dire que les Terrans, quand ils vont arriver, ils vont me bousiller le cul, quoi. Encore pire que les Psylon, quoi. Ah, les subventions privées, quoi. Je dis pas non, quoi. Outstanding your secrecy. Ah, je pourrais pas les améliorer. For your eyes only, hindmost. Parfait, ça. Ça, c'est où? C'est là. Ok. Usine spatiale. Donc, l'usine spatiale, ça fait quoi? Ah, c'est pour placer, je pense, des avant-postes, des trucs comme ça, je crois. C'est, je suis sûr que c'est ça, ouais, construire. Et voilà, et tu peux faire des avant-postes militaires, etc. Quoi. On va faire un avant-poste. Parce que là, du coup, personne ne pourra passer de ce côté-là. Donc c'est soit là, soit là. Et vu que là, il n'y a qu'un seul système, donc ils vont être obligés de passer par là et de venir m'attaquer, quoi. À moins qu'ils aient un truc pour pouvoir passer de là à là, quoi. Ce qui m'étonnerait pas aussi, quoi. Ça peut être très dangereux. Service trésorier coloniaux, ouais, ça peut être cool. Ah, on va aller faire le tour ici. Nourriture zéro, par contre, non. Hop. «
Nouvelle race. Ah, les humains. I am the president of the Human Republic. May the cooperation between our races be ever fruitful. Ok, au revoir. Allez, on va voir ce qu'ils proposent, les humains. Let's skip the formalities. I have other business. Ouh. What do you want? Déjà, ça va pas du tout. Ça commence mal, quoi. Let's get this over with. Ça commence très très mal. You'll have to pry it from my cold. Wow. Ok. Alors, on va enlever le pacte. Fair is fair. Ah. We ask only. Et voilà, parfait. I begrudgingly agree. Ok. Déclaration. Pas d'espionnage. Is this some kind of joke? Bon, ça... Putain, mais les mecs, ils arrivent, quoi, tu vois, ils me disent « Ouais, salut, tatati, tatata », et tu demandes audience, quoi, ils te considèrent comme de la merde, mais d'entrée, quoi. Bon, ok, super, très sympathique. C'est ça, ça fait plaisir, merci, quoi. On va voir si on peut construire. Construire un autre truc là, fais voir. Ça, ça fait quoi, des points de système sur un sont portés dans un point de sous-système. Ouais, bof. On va construire... Ah, laboratoire astéroïde. Ah, pas mal ça, pas mal. Où j'en suis là? Frégate x4. Putain, 792. Pouf. Je pourrais pas avoir sur un tac des espions, des officiers. On va mettre hop, confirmer les améliorations. Hop. And now, the news. Le grand retour du passé. Confusion sweeps across the galaxy as reports of Antaran sightings have now been confirmed by independent survivors. Oula. It seems that oula ill-tempered old race has managed to escape from their ancestral prison in an unknown pocket dimension and are expected to continue to terrorize the galaxy in the foreseeable future. Oh, ça va chier. Information as hostilities escalate from these initial skirmishes to what we can only assume will be an all-out invasion resulting in the extinction of all other sentient life in the galaxy. Stay tuned for more news. Ça va chier, ça va chier. T'inquiète pas Christopher, il y a pas de souci. Putain, ça ouais, ça va être chaud chaud chaud. Faudrait plutôt que je m'occupe de ça d'abord à la place de faire autre chose là. Putain, du coup, elle s'est arrêtée. Ah, voilà, j'allais dire. Welcome to GNN. Oh là là. Galactic News Network. La flotte Antarim casse la baraque. Antaran fleet has turned its sights on the... Ah, bah ouais, tu m'étonnes, c'est les plus puissants. Alors, du coup, ils les attaquent. Violent quake at A dot lock colony. Quoi? Non. Putain. Ah, ça m'énerve ça. Violent séisme quoi. Putain, les glandes quoi. Putain, déjà que j'ai rien en plus, on me regarde-moi ça quoi. Putain, et eux non, ils sont en grève. Putain, mais attends, avant j'avais plus que ça quoi. Et ouais, oh là là. Tu vois, alors déjà que j'ai pas de chance, en plus, si on me balance des coups comme ça, quoi. Et ouais, c'est elle qui a pris cher. C'est Nazim Chu, quoi. Oh là 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 là, c'est une horreur. C'est une horreur. Je suis en train de me faire défoncer de tous les côtés, quoi. Bon, les jeunes, on va arrêter là. Ça fait quasiment une heure de vidéo. On va passer à autre chose. Je pense qu'on va essayer de faire du H1Z1, vu que ça fait un bon moment que j'y ai pas joué. Histoire là aussi de se faire démonter. Mais bon, c'est pas grave. On va rigoler un bon coup. Sur ce, bonne soirée à tous. Et je reviens dans quelques minutes.
Allez, à de suite.